Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Le petit bac. Le petit bac. Le petit bac. Le petit bac. Je mets un petit temps de pause parce que c'est quand même bientôt la fin de l'année. Et alors, on s'en parlait un petit peu dans le chat justement de fin d'année. Parce que Mimozo était en train de dire... Alors attends, je reprends son message. La dernière semaine prochaine, ça serait bien de foirer le lancement pub et qu'on les entende en off. Et alors, je vais en profiter pour teaser un petit peu là, ce qui va se passer la semaine prochaine alors. Tu peux. C'est-à-dire, Mimozo, que tu n'auras pas besoin qu'on foire notre lancement pub. Puisque, en fait. On va pas éteindre les micros pendant l'émission. Ça pourrait être très drôle, mais le problème, c'est qu'on serait beaucoup moins naturel, même pendant les pauses, tu vois. C'est ça qui serait un peu dommage. Non, mais le truc, c'est qu'on enregistre tout ce qui se passe hors antenne. De base, tout est enregistré. Depuis septembre. Et exactement. Et donc, la semaine prochaine, je suis en train de travailler justement à isoler les meilleurs moments de ce qu'on a pu raconter hors antenne. Et croyez-moi, il y a même certains passages que j'hésite à passer tellement ils sont hardcore. Donc, j'ai tellement peur de ce que j'ai pu dire depuis le mois de septembre. J'en ai sorti des conneries quand même. Alors, tout le monde, hein, je suis sûr que je dois pas être le seul. Oui, tout le monde doit avoir des trucs. C'est pas des dossiers de ouf. Moi, je pense que j'ai rien. Moi, je pense que je suis safe. Oh, tu penses? Non, sois pas si sûr, Paul. Franchement. Est-ce que quelqu'un m'a déjà entendu dire des bêtises à l'antenne et même dans la vie en général? Oui, Paul. Moi, je suis un âme sage, moi. Regardez, il suffit juste de me regarder streamer sur Valorant, vous comprenez que je suis quelqu'un de très sage et très calme. Mais je peux vous le dire, tout le monde va en prendre pour son grade, mais certains plus que d'autres. Non, mais moi, je sais que je vais prendre cher. Ah, y a pas que toi, je te le dis tout de suite. En tout cas. Ouais, je sais bien, mais bon, tu nous envoyais un petit extrait déjà. Je chantais magnifiquement ça. Ce que je vous envoie, ce sont des extraits que je n'ai pas sélectionnés. Ouais, et j'imagine les autres alors. Si celui-ci, tu peux pas le mettre dans le truc, j'imagine les autres. Bref, on verra la semaine prochaine. Franchement, j'ai tellement hâte. Les deux dernières émissions là, la semaine prochaine et la semaine d'après, on vous prépare un truc de fou aussi. Voilà. Je dis rien. Voilà. Il y aura peut-être d'autres annonces pendant l'émission. Voilà. Mais en tout cas, les deux prochaines émissions, ça s'annonce de fifou. Celle-ci aussi, parce qu'on va bien se mettre sur la gueule. Non, les deux dernières, pour moi, ça va être les meilleures émissions de l'année. Et pour ça, il faut bien que vous suiviez du coup la chaîne des Chacals sur Twitch, la chaîne de Futur Radio sur Twitch. Encore une fois, je répète, Twitter, Facebook et tout, parce que sinon, vous n'aurez pas les informations. Et là, on vous prépare du lourd. Du très très lourd. Exactement. En tout cas, revenons-en au petit bac, les amis, si vous voulez bien. On a désigné en antenne les deux joueurs qui vont s'affronter et ça sera Mathieu qui jouera en premier contre Clem qui va jouer en second. Clem, du coup, tu vas pouvoir t'isoler. C'est parti. Enlève ton casque, baisse le son. Moi, je te ferai un signe à la caméra pour que tu puisses voir quand est-ce que c'est terminé. Ça s'est pas entendu. Si, ça s'est entendu. Ah merde. Vous aurez donc chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots, commençant par une lettre donnée dans une catégorie bien précise, et c'est Paul qui va noter les réponses et c'est moi qui vais poser les questions. Et Damien, il a juste observé. Oh, bon, moi je regarde, moi, j'aime bien ça. Le meilleur rôle, c'est celui-là. Le perdant mettra 1€ dans la cagnotte auditeur et je vous rappelle que cette cagnotte permet donc de financer le cadeau qu'on est en train de vous faire gagner là pendant tout ce mois-ci. C'est une Wonderbox d'Hélice d'ici et d'ailleurs. Pour pouvoir remporter cette Wonderbox, il faut aller suivre les instructions sur la publication épinglée sur Twitter et sur Facebook. Donc Clem est isolé. Ou l'un ou l'autre, c'est pas les deux. Exactement, l'un ou l'autre, ça marche. Le perdant mettra donc 1€ dans la cagnotte, je l'ai déjà dit. Clem est parti s'isoler. Et donc Mathieu, on commence quand tu es prêt. Tu me dis quand tu es prêt, moi je t'annonce la couleur. Vas-y, balance. Alors Mathieu, tu vas devoir me trouver. Deux secondes avant. Mathieu, cache ton live Twitch là, s'il te plaît. Ah oui, merde, pardon, autant pour moi. pour pas avoir de réponse. Je valide, c'est bon, ça passe. Ok, donc tu vas devoir me trouver un maximum de célébrités, prénom ou non confondu, peu importe, avec la lettre M. Top, c'est parti. Mathieu Kassovitz, Mireille Mathieu, Mylène Farmer, Michael Youn, Mimi Mati, Muriel Robin,
Mika, M-Pokora, Michou. Allez, ça Michou sera... il passe. Oui, Michou il passe. C'est Paul qui décidera. J'ai pas pu tout noter, t'es allé trop vite. Ah mais avec moi faut suivre hein, pour ça. Ah ouais, là, mais là j'ai eu une main, j'étais à fond, mais là genre là je pouvais pas, tu vois. Alors, là, non, non, disons pas plus parce que voilà, Clem maintenant il est avec nous. Et alors Clem, du coup, est-ce que tu es prêt? Ouais, c'est bon. Clem, tu vas devoir trouver un maximum de célébrités, prénoms et noms confondus, peu importe. Commençant par la lettre M, top, c'est parti. Mathieu Chédid, Madonna. Mireille Mathieu. Oh, c'est trop flou dans ma tête. Ah, puis je... oui. Et j'en ai vu un sans le vouloir dans le chat, du coup je voulais pas le dire. Alors débriefons tout cela si vous voulez bien. Mathieu est au taquet. Bah, en gros j'en ai oublié les trois quarts pour Mathieu, donc on va recommencer. Non, je rigole. Ouais, d'accord. Ouais. Alors, bah, dis ce que t'as noté, on va peut-être pouvoir essayer de compléter ce qui manque pour Mathieu. Bah, en gros, alors je vais faire des matchs. Bon, ouais, Mimoso, franchement, elle est chaude hein, ce soir. Grave, ami. Là, ouais, putain, on en a trouvé plein. Alors, on a Cercle de musique qui a proposé Michael Jackson. C'est vrai. Il est pas assez célèbre, lui, c'est pour ça on l'a pas eu. Il y a eu Marlène Dietrich, Mimi Mati, Michael Colucci, Muriel Robin, Maurice Michel Papon. Michel Colucci, de... pas Michael Colucci. Ah ben, fou, oh là là. Oh, ça se voit à mes cernes que là ça fait deux jours que j'ai besoin de dormir. Hein. Comment dire? Voilà, effectivement, Muriel. Non, attends. Oh là, je suis fatigué là. on sait plus du tout où on en est là. Mimi, voilà, c'est ça. Mimi Mati. Donc Mathieu avait trouvé Mimi Mati, effectivement. Oui. Mathieu, lui, avait Mathieu Kassovitz. J'ai noté Mireille Mathieu. J'ai noté Michael Youn. J'ai noté Mika. J'ai noté M. Pokora. J'ai noté Michou. Et il y en a au moins trois autres que j'ai oubliés. Au moins, Michael Jordan. Bon, en tout cas, Muriel moi, Robin, je crois qu'il l'avait dit. J'ai dit Muriel Robin, oui. Moi, je dis, c'est quand même bien joué pour Mathieu, donc je dis bravo. Bravo, merci. Bravo Mathieu. Merci. Moi, je pense que c'est au moins un 10-3, voilà. Ouais, non, il a carburé, il a pas eu une seconde sans nom. Si. Ouais, ça va. Pour noter les points, je réécouterai le podcast, du coup, vu que je tiens mes statistiques quand même à jour. Carré, voilà, propre et tout. Mais bon, on peut quand même considérer que c'est Mathieu le vainqueur de ce jeu. Ah là, oui, c'est une belle victoire de Mathieu. Oui. Voilà. Je pense qu'on va faire une mort subite pour reconfirmer, en fait. non, ça va, Mathieu, arrête de la péter, là.